l'étude des archives diplomatiques est fondamentale, parce que c'est grâce à la lecture de ces archives, des dépêches des ambassadeurs, des instructions données par le ministre des Affaires étrangères, que l'on comprend un peu tous ces mécanismes. Qu'est-ce que les gens pensent à telle époque? Quelles sont leurs peurs? Quelles sont leurs craintes? Quelles actions ils peuvent faire? Et donc, jour par jour, on peut vraiment suivre les choses. Alors ici, on a un premier document. Il s'agit d'une dépêche de l'ambassadeur de France à Vienne, Alfred Dumaine. Cette dépêche est écrite à l'occasion de la préparation des funérailles de François Ferdinand. L'ambassadeur en profite pour évoquer la situation de l'Autriche-Hongrie à ce moment-là. Et c'est assez intéressant de constater que lui-même explique que cet assassinat ranime les haines contre la Serbie et même contre la Russie de la part des Autrichiens. Donc on a là en filigrane finalement l'état des alliances en Europe. Pourquoi y a-t-il un engrenage ? C'est que sur ce contexte un peu tendu, il y a deux systèmes d'alliances et qui vont justement fonctionner comme un véritable engrenage. D'un côté, la triple alliance, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie, contactée dans les années 1880. Et l'autre côté, la triple entente, la France, la Russie et le Royaume-Uni. Mais chacun compte sur son partenaire ou sur son allié pour sa sécurité. C'est-à-dire que si dans l'engrenage, on n'honore pas son alliance, on risque d'être isolé, et si le camp d'en face gagne la guerre qui semble inévitable, on sera mangé à l'étape suivante. Alors comment l'engrenage s'est-il mis en place ? François Ferdinand est assassiné à Sarajevo, en Bosnie, que l'Autriche-Hongrie vient d'annexer. Les Autrichiens sont persuadés que les Serbes sont responsables et que c'est pour l'Autriche l'occasion de régler son compte à la Serbie. Alors, c'est un peu offensif, c'est un peu agressif, mais pour les Autrichiens, c'est préserver l'unité de l'Empire. L'Allemagne va soutenir l'Autriche. La Russie, protectrice des Serbes, va donc montrer les dents. Et la France va appuyer la Russie. Les diplomates, assez vite, du côté français mais ailleurs, voient l'engrenage arriver. Et ils vont tout faire pour l'empêcher. Parce qu'au fond, il faut que chacun soit persuadé que l'autre ne veut pas l'agresser. Mais si, justement, la puissance d'en face ne donne pas cette assurance, l'engrenage se met en place. Le document qu'on a ici, il montre que les choses se sont précipitées puisqu'il date du 3 août 1914. C'est un document qui émane de la légation de Belgique à Paris, qui constitue la réponse officielle de la Belgique à l'ultimatum que lui a remis l'Allemagne la veille. L'Allemagne demandait à la Belgique de laisser passer les armées allemandes sur son territoire de manière à pouvoir envahir la France librement. Et finalement, dans ce document, il explique, je cite, que la Belgique restait fermement décidée à repousser une agression par tous les moyens possibles. L'Allemagne, en effet, se veut dans une position défensive, même si elle prend l'attaque. Elle est coincée entre la Russie et la France. Son système de défense, c'est de battre vite une de ces deux puissances, la France, le plus vite possible, pour ensuite pouvoir affronter la Russie. Pour battre la France vite, il faut passer par la Belgique. D'où cet ultimatum, qui est presque poli. C'est, voilà, s'il vous plaît, on va passer par chez vous. Mais deux, nous garantissons l'indépendance et l'intégrité de la Belgique après la guerre. Et trois, si on fait des dégâts, on paiera. Sauf qu'à la fin, ils disent « Oui, vous avez 12 heures pour répondre. » Vous avez 12 heures pour répondre. Et là, c'est peut-être sur le plan, je dirais, psychologique, l'énorme erreur de l'Allemagne. C'est ça qui va vraiment, un, précipiter le Royaume-Uni dans la guerre. Deux, la violation de la neutralité de la Belgique va vraiment créer une émotion qui pèsera lourd pendant toute la guerre et l'après-guerre sur, je dirais, presque l'honneur de l'Allemagne. Alors, je ne dis pas que c'est ça la cause de la désignation de l'Allemagne comme responsable de la guerre en 1919. La principale cause, c'est la défaite de l'Allemagne. Dire que c'est l'Allemagne qui est responsable de la guerre, c'est la loi du vainqueur, bien entendu. Alors ici, il s'agit d'un télégramme qui est transmis de manière chiffrée et qui porte la mention secret
au Quai d'Orsay par Paul Cambon. Paul Cambon, c'est l'ambassadeur de France à Londres. Il joue un rôle majeur à ce moment-là, c'est-à-dire au 4 août, puisque la France est désormais en guerre contre l'Allemagne. Et tout le rôle de Paul Cambon consiste à convaincre l'Angleterre d'entrer en guerre aux côtés de la France. Non, c'est sûr qu'un tel télégramme, pour Paul Cambon, c'est une libération, c'est une victoire. Paul Cambon est l'artisan de l'entente cordiale en 1904. Hein. Et c'est vrai que pendant la crise, il essaye d'avoir l'intervention de la Grande-Bretagne aux côtés de la France, au cas où il y aurait une guerre entre la France et l'Allemagne. Et ce n'était pas joué. L'avant-veille, il va voir Sir Edward Grey, secrétaire d'État au Foreign Office, et celui-ci lui dit non, nous n'entrerons peut-être pas forcément en guerre. Et à la limite, si l'Allemagne viole la neutralité de la Belgique, mais seulement à la marge, en passant par le sud de la Belgique, voilà, non. Et Paul Cambon devient blanc, au bord de s'évanouir. Edward Grey est presque obligé de l'accompagner dans l'antichambre pour le mettre dans un fauteuil. Et il entend Paul Cambon dire « il nous laisse tomber ». Enfin bon, donc voilà. Et deux jours après, la Grande-Bretagne accepte la guerre si jamais l'Allemagne ne change pas son ultimatum à la Belgique. Qu'est-ce qui a changé? Premièrement, ce n'est pas seulement un passage dans le sud de la Belgique, mais vraiment toute la Belgique qui va être envahie. Or, pour la Grande-Bretagne, Anvers, qui est en face de Londres, il n'est pas question que Anvers soit entre les mains d'une grande puissance. Et Paul Cambon, il a eu un argument. Il a dit, d'accord, vous n'êtes pas obligé d'intervenir, l'entente cordiale n'est pas une alliance. Vous n'êtes pas engagé. Mais du fait de ce partenariat, en 1912, nous avons signé un accord naval qui fait que nous concentrons, nous, Français, nos forces navales en Méditerranée, nous dégarnissons la Manche et l'Atlantique parce que c'est vous qui devez vous en occuper. Là, maintenant, si vous n'entrez pas en guerre, nous sommes tous nus. Et cet argument a marché. C'est Edward Grey, au Parlement, a parlé de ça en disant qu'il y avait une obligation morale. Et l'émotion dont je parlais tout à l'heure, à savoir la violation de la neutralité par la Belgique dans l'opinion britannique, a fait qu'effectivement, les ministres majoritaires contre la guerre au sein du cabinet britannique sont devenus minoritaires. Et Sir Edward Grey a pu, avec le Premier ministre Asquith, l'emporter et imposer l'intervention de la Grande-Bretagne dans la guerre. Donc on comprend mieux pourquoi, à la fin de la guerre, en 1918, le président des États-Unis, Wilson, dans ses 14 points, propose entre autres choses une société des nations, c'est-à-dire de sortir de cette diplomatie secrète, de ces alliances qui peuvent amener des engrenages, à une diplomatie ouverte, officielle, devant les journalistes, dans des enceintes internationales, comme la société des nations. Ça a suscité évidemment de grands espoirs. On le sait que ça n'a pas forcément bien marché. La Société des Nations n'a pas empêché la Seconde Guerre mondiale. Elle a eu ses propres faiblesses. Donc voilà, toute une histoire ensuite, l'ONU, etc. Mais d'une certaine manière, donc on va passer de la diplomatie bilatérale dominante à une diplomatie plus multilatérale qui intègre des organisations internationales, avec certes leurs faiblesses, mais qui ont pour but justement d'empêcher ce type d'engrenage, comme l'engrenage de 1914, qui finalement aurait pu être évité, mais qui finalement a vraiment eu une dynamique implacable.